bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2 avec l'épisode 29 comme d'habitude. Mettez, si vous le pouvez, en 4K 60 FPS. Ça y est, j'ai sauté cet obstacle de l'enfer. J'ai dû réouvrir le coffre vite fait en off, mais ça s'est fait en 2 secondes. Ce n'est pas un problème et je suis sûr que, bah tiens, le code, à mon humble avis, était sur cette petite lettre. J'espère que vous vous portez bien. N'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire si ça vous plaît. Et puis comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger. Bref, le plaisir avant tout. Et effectivement, je vois d'ici que le code était là. Bon, désolé de ne pas avoir été là à ton retour. Ça devait être un sacré bordel. Quelqu'un a dû balancer à la Fedra notre petit business de ration. Je suis sûr que cette vipère, que c'est cette vipère de Jiao. J'ai réussi à planquer une partie de nos trucs, mais j'ai peur que nos associés prennent mal la disparition de leur cargaison. J'ai mis des réserves dans le coffre. Le code est 689689. Rejoins-moi à la deuxième planque. Il est temps de réfléchir à une porte de sortie. Fais attention à toi, Mei. Bon, on avait le code, mais bon, on sait. Les gars, ici c'est la rue, on s'est débrouillé comme on pouvait, on s'est débrouillé surtout nous-mêmes, c'est ça le plus important. Donc là, on peut tomber dans un trou. Néanmoins, il me semble qu'il y a un étage dans ce bâtiment. Donc, on va aller fouiller tout de même cet étage. Ça serait dommage. Oh, ça mène à la suite. Pas du tout. Juste une balle. Oh, qu'est-ce qu'il a subi ? C'est là, toi. Alors, il buvait sa petite bière en terrasse. Là, il attendait le serveur. Prophétesse, puisses-tu donner aux anciens la sagesse qui nous mènera à la victoire contre les wolves? Pardonne mon empressement, mais le temps m'est compté. J'espère pouvoir atteindre la porte des martyrs pour te remettre ceci. Veille sur mon enfant, qu'il vive une vie longue et heureuse. Tant des nôtres sont morts depuis que les wolves ont rompu la trêve. Fais que ma famille vive assez longtemps pour récolter le fruit de nos sacrifices. Et derrière, il y a un petit message. Le monde n'est pas en paix, mais j'ai fait ma part pour y remédier. Tu m'as porté dans la tempête. Aujourd'hui, je dois partir. Que le courant soit calme, puisses-tu me guider? Très bien. Si on veut protéger sa famille, vaut mieux pas rejoindre une secte. Vous croyez? Je pense pas qu'on puisse aller là-haut. J'avais pas vu ça non plus, mais c'est incroyable. Tout va vite, y'a rien. Alors, hop, voilà, ici on casse des vitres. Y'a strictement rien. Est-ce que je peux passer? Simple curiosité professionnelle. Non, pas du tout. Je pensais que je pouvais passer par ici. Eh bien, écoutez, on est parti, on continue. On va tomber dans le trou et puis on va pouvoir surtout passer à la suite. C'est le plus important, on a fait tout de même quelques mètres. Y'a rien ici, on sait jamais. Non, c'était sur un malentendu. Hop. Ah, on met des pattes à côté. Toxis. Alors, ça va? Oh, il est bien fait. Eh, le visage était trop bien fait. Hein. Bon, il m'a fait un petit peu stresser. C'est rien, il m'a mis une petite claque. Et une petite calotte de mémoire. Ça fait plaisir de temps en temps. Ça, voilà, quand ça m'énerve, je casse de la porcelaine, moi. Ah, voilà, faut pas m'énerver. Par contre, elle a une patate, les gars. Incroyable. Hein. Vraiment, ça sera toujours aussi fascinant. Hop, ici, on peut ouvrir. Ici, on pourra passer par ici, si on souhaite. Et c'est tout? De la porcelaine, des vases, rien d'autre? Pas de quoi faire rêver, hein. Oh! Oh là là! J'ai l'impression qu'on a quand même tout trouvé très très vite. Ça peut servir. J'ai fusil de chasse. J'ai sincèrement l'impression qu'on a tout trouvé très très vite pour le coup. Ça me fait peut-être un petit peu peur. Parce que avec Ellie, on a quand même trouvé le fusil à pompe assez tard. Ah non, 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 j'ai rien dit. Non, j'ai dit de la merde. On a trouvé le fusil à pompe à la banque. Ah, ça nous ramène déjà au début. Ça nous ramène à l'épisode. Et des patates. Immédiatement, ça part en faille de rue. Voilà! Voilà! Eh ben! Elle est énervée, hein. J'ai foutu un beau bordel. Je vais me battre peut-être un peu plus souvent, hein. Bon, le pompe, c'est fait. Et il était pas caché plus que ça en soi. Mais ça vaut pas cette arme. Il va falloir que je trouve les étuis. En fait, c'est les étuis que j'avais trouvé relativement lentement.
Très bien. Bah écoutez, on peut passer d'ores et déjà à la suite. Et je crois que c'est par ici. Par ici, la sortie. Allez, fais-moi rêver. Fais-moi rêver calmement. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça me plaît énormément, ça. Ça me plaît énormément. On va peut-être éteindre la lampe. Ça sert plus à rien. Oh, c'est stylé. La porte des martyrs. Votre elle est morte, mais ça vous empêche pas de revenir ici sans arrêt. D'accord. Vous voyez qu'il y a quelque chose dedans ? Ah ouais ? Tu l'as dit, Poufy ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est What Occult ? Alors, prophétesse, je te demande de me donner... Puisses-tu m'apporter ? Je demande peut-être l'impossible, mais je dois essayer. Fais don aux wolves de ta clairvoyance, de ta sagesse, de ton amour, afin qu'ils renoncent à leur quête égoïste et déposent les armes. Puisses-tu apporter la paix dans ce monde ? Ouais ? Tu veux la paix ? Facile ? Reste sur ton île. Et comme on dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais sûrement dans beaucoup de choses. Beaucoup de films ou beaucoup de jeux. Très bien, on peut passer. Attendez. Là, on n'a rien. Mais on est... ok, d'accord, on est dans le quartier asiatique. Très bien. Eh bien, on a des romans à lire dans cet épisode. Cam, merci pour ta lettre. J'ai hâte de te revoir. En attendant, je suis coincé ici à surveiller la prophétesse d'Escar. Je t'ai pas dit, mais pendant mon dernier service, je lui ai parlé. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Pourquoi elle disait pas à ses hommes de se rendre. Elle m'a d'abord sorti les conneries habituelles d'Escars. Le retour à la nature, à la dépendance aux machines. Mais après, elle m'a dit qu'elle voulait pas de cette guerre. Que l'épidémie était un rappel à l'ordre et qu'on l'avait pas tous entendu, un truc du genre. Ça devenait intéressant, mais Lewis a débarqué et m'a fait chier parce que j'étais pas censé lui parler. Quand il lui a gueulé dessus, elle a juste souri. Même quand on l'a transférée et que les gars l'ont insultée et bousculée, elle continue à sourire calmement. Trop bizarre. Tout le monde dit qu'elle est dingue, mais en fait... Je comprends ce qu'elle veut dire. Les Scars sont des tarés, pas de doute là-dessus. Mais elle a une sorte de pouvoir magnétique. Il paraît qu'on va l'emmener dans un endroit plus sûr. Je te retrouve à la maison. Fais attention à toi. Sally. Très bien. Putain, t'as transformé une folle en martyr. Ok, on va passer par ici. Oh là 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 là. Non mais là, c'est incroyable. C'est quoi cet épisode? Moi je prends, hein, clairement. Hein. Je vais pas me... Bah oui, j'équipe. Hein. Non mais attendez, attendez. On a trouvé un pont. De quoi déjà avoir la double arme. C'est insane en vrai, genre... Ah d'accord. Ah ouais. Ah, ça tire une balle. Par contre, ça doit one shot. Très bien. Très très bien. Bah écoutez, je vais pas me plaindre. Voilà, je vais être franc avec vous, je vais pas me plaindre. Qui veut se plaindre ici? Personne, ok? Donc ça c'est trouvé, c'est pour Bibi, c'est dans la popoche. Et il y a peut-être un truc là-haut, qui sait, non? Non? Pourquoi on peut sortir par là? Ah! Voilà sur les filles. Ok. On prend. On prend, et vous savez quoi? On va même en confectionner. Voilà. Nickel. Écoutez, cet épisode, il s'est rien passé. J'ai juste avancé de quelques mètres, mais c'est une régalade, sérieusement. C'est un truc de ouf. Et je pense qu'il faut aller là-haut, non? Sur ce toit. Comment on peut faire? Quoi? Attends, parce que si on lit tous les mots, on est dans la merde. Hein. Alors, prophétesse, j'aimerais prendre part aux chasses. Puisses-tu m'offrir une nouvelle monture, puissante et agile, une nouvelle selle et une nouvelle bride? Eh bien. C'est pas le génie de la lampe. Ah, c'est un mur de vœux, je pense. Prophétesse, je ne demande pas grand-chose, mes besoins sont simples. Mais mes mains sont peu habiles. Et je suis incapable d'aider notre village en réparant, forgeant et bâtissant. Je te demande de me donner ces capacités pour que je puisse être productif et respecté. Oh, enfin une demande réaliste. D'accord. Très bien. Prophétesse, je suis un bon soldat. J'ai déjà délivré deux wolves en ton nom. Je t'en enverrai de nombreux autres.
Permets-moi de vivre assez longtemps pour voir ton salut se répandre dans le monde. D'accord, ouais, c'est littéralement une secte, quoi. Hein. C'est littéralement une secte. Par contre... Putain, c'est quand même impressionnant. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Prophétesse, puisses-tu offrir à tes enfants force et prospérité afin qu'ils purgent ce monde de ses maux et puissent le rebâtir? T'en demandes trop, mon pote. D'accord. Prophétesse, je préchote. Puisses-tu donner aux anciens la sagesse de m'accoupler avec Edmond? Il est fort et habile, tendre et attentionné. J'aimerais porter ses enfants. Ouh, elle veut juste tirer son coup. Ça, c'est faisable. Bah très bien, écoutez, on peut se tirer tranquillement. Je suppose que c'est par là, c'est totalement pas ici. Bon, on va aller regarder derrière. On s'est régalé vraiment pour le coup. Hop. Un petit atelier, ça serait pas trop. Et ça serait amplement mérité. Oh, oh. Qui voit l'âge? Ouais, on peut se barrer par là aussi. Y a peut-être quelque chose. Oh, 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 oh. Oui. Ok. Ah, cascade! Vraiment, t'as fait ça là, Abby? C'est d'elle-même, elle a sauté en diagonale, je sais pas pourquoi. Il fait de plus en plus sombre. Ah oui, putain. Oh, ça va se carrer, hein. Ça va se carrer, je vous le dis. On va essayer, je suis sûr, il y a un bail là-haut. Ah, cascade! Ah, double cascade! Très bien, y a rien. On va tout fouiller quand même. Ok, en fait, je vais devoir passer par là où les Scar habitent pour aller à l'aquarium. Et nous, on était passé par l'eau, souvenez-vous. Donc, je pense que clairement, ça va swinguer. Et ça me fait un petit peu peur, mais bon, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler par là-haut. Ok, on est dans l'entre des Scar, à mon avis. Hein. Mes couilles. J'ai l'accès à la porte des martyrs. Malcolm, viens avec moi. Vous deux, prenez l'autre côté. Juste à nous protéger. Ok. J'ai peur. Ça va swinguer là, vous êtes en train de me dire? Allez, régalez-vous de ce qui va se passer. Il va à peu près rien se passer. Hein. Pas grave, c'est la rue, hein. Désolé de pas parler. C'était
fait peur. Non, 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 il est beaucoup trop fort. Oh. C'est compliqué là. Hein. C'est très, 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 très compliqué. Ok. C'est pas grave. On se débrouillera comme on peut. Voyez, on est entre guillemets un peu tranquillou là. Ah, c'était chaud. Hein. Clairement, c'était chaud de ouf. Pour le coup, j'ai pas fait le malin. Très bien, un kit médical gratuit. C'était ultra chaud. Il y en a peut-être d'autres. Hein. On va pas s'enflammer non plus. La vache. Eh ben. Eh, mais ils traînent toujours par deux, c'est un enfer, hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est pas grave, c'est la rue. C'est la rue, on fait comme on peut. Hop, regardez, il y a des kits partout. Ils avaient tout prévu, ils savaient qu'on allait se faire saccager. On s'est fait saccager, mais dans les règles de l'art quand même. Donc j'ai envie de vous dire, franchement, quel plaisir. Quel plaisir. Une seule balle, ici j'ai... Par contre, le Magnum, quel bonheur. Ce one shot, cette satisfaction quand t'as tiré ta balle. Quel plaisir. On pouvait vraiment passer partout. Ok. Bon, le sniper était là-haut. Il doit y avoir un moyen de traverser le bâtiment. Oh oui, et on va le trouver, t'inquiète pas. J'ai tout mon temps. Quel en a rien. Tous ces livres. Oh, c'est cool, maman. Tu reviendras les chercher une autre fois. Ah oui, elle est fan de livres, c'est vrai. Ça, c'est des soins instantanés, c'est plutôt cool en vrai. On essaye de fouiller un petit peu, ça c'est pour les pièces hein, que je mets ici. Alors, par où passer? Le but étant d'aller tout là-haut, donc là où il y avait le snipers. Mais avant ça, on va quand même tout fouiller. On sait jamais sur un malentendu. Ça peut être très très cool. C'est vrai, je joue pas assez avec les bouteilles, c'est horrible. Je joue pas assez avec les briques. Oh, je m'en veux. Je m'en veux. Je m'en veux énormément. Ici, on a quoi? Eh ben, on a plus rien. Je m'en veux, je joue pas du tout assez avec tout ce qui est briques et tout. Et c'est fort dommage. Par contre, j'ai utilisé en vrai, pour le coup, beaucoup de balles. Et j'ai le droit à 3 one-shots encore. On verra comment ça va se passer. À essayer de regarder partout, j'ai l'impression de regarder nulle part aussi. Pas le choix, on doit aller dans le bâtiment où il y avait le sniper. En fait, c'est le sniper hein, qui m'avait repéré à 4 km. Hop, ça on prend. Ça on prend. Ça on prend. Il était par ici, on va essayer de récupérer les balles. J'espère qu'il y avait des trucs intéressants. Faudrait que je mette une petite lunette aussi sur mon arme, ça serait cool. Ok, on n'a rien. Ça, on prend évidemment. Très bien. Bon. Qu'avons-nous d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose pour le coup. On va remettre le silencieux sur un malentendu, ça peut... Owen, j'espère que t'as pas eu affaire à ces types. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a tout fouillé. On a fouillé cette pièce. On l'a fouillé. Attendez, je perds de mémoire instantanée. Ouais, c'est bon, ça a été fouillé. Allez, on se casse. Direction l'étage, devrait plus y avoir de Scar. Il m'aurait entendu... De bien loin. Et le sniper était d'ailleurs à cet étage.
Ça, c'était gratuit. Voilà. Ah, pas de balles, rien. D'accord, t'es comme ça, frérot. Très bien. T'es un crevard comme ça. Pourquoi pas. Hop, du scotch, on prend. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Ok, on va reload. C'est vraiment dommage, hein. J'avoue que le fait d'aller très vite en action, ça gâche un petit peu le potentiel des maps. Je suis sûr qu'il y a des trucs de ouf à faire. Hein. Quand on voit les étages, on peut monter, descendre, aller à tel endroit et tout. Il doit y avoir vraiment des véritables dingueries à faire. Et j'avoue que le fait que ça part en action un peu trop vite... Je peux monter. Je veux pas, je m'en fous de l'astuce. Ça... C'est un peu con. C'est un peu con. Faut vraiment que j'arrive à essayer d'utiliser au moins une fois le maximum du potentiel d'une map. Ça peut être pas mal. Hop, on va passer par ici. Hop, micro-cascade. Micro-cascade 2. Le retour de la micro-cascade. Micro-glissade. Très bien. Ok. Hop, on s'allonge. Tiens, 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 qui voilà-je? Ok. Eh bien. Bougez pas. On va peut-être passer au pont. Par contre, j'avoue, deux cartouches par deux cartouches. C'est quand même très médiocre. Si je peux me permettre cette petite expression. Ah! Faut juste que je descende dans la rue. Ah, s'il y avait juste à descendre dans la Allez, rue. Ça va le faire. On va se retrouver dans bonne demi-douzaine d'épisodes. Ça fait plaisir. Ok, ça on prend. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop loin. Moi, jamais y arriver, putain. J'ai hâte. Ok, là on a rien. J'ai hâte. Rien du tout, les gars, vous abusez là, non? C'est quoi tout ça? Tout ça. Il fallait que j'atterrisse dans un camp de Scar. Ça, ma grande. C'est le paradis. Karl, non, Kamel, pardon. Quand un enfant naît chez les Séraphites, il est une toile blanche, un pur potentiel. Et ton potentiel a surpassé mes plus folles espérances. Pardonne-moi de ne pas être présent à ta cérémonie d'initiation. J'ai le souvenir de mon père apaisant le feu de mes joues avec des feuilles d'eucalyptus trempées dans de l'eau de pluie. Avec le temps, la douleur disparaît, mais les entailles seront toujours là pour te rappeler la sagesse de notre prophétesse. Nous sommes des êtres imparfaits, et ainsi nous nous rendons imparfaits à ses yeux. Puisse-t-elle te guider chaque jour dans la tempête? Puisses-tu toujours trouver ta véritable force? Je suis si fier de toi, ton père Ezra. Et ben c'est voilà, ça fait plaisir. Ils sont juste tous cinglés. Un peu tordu, quoi. Ils sont tous cinglés. Oh, un atelier miskin. On va pouvoir l'utiliser tranquillement, c'est tout. Très sympa ça ici, dis donc. Ça a été taffé, putain. Tout en bois, hein. Vous avez compris qu'ils détestent la technologie. Allez, on est parti. Ah, même leur tournevis c'est en bois, c'est terrible. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? La lunette x4 est payante. Vitesse, le dégât du pont, hein, en vrai. Oh putain, le dégât du col aussi, ça doit chicoter de ouf. Oh, une lunette x4, stabilité. Oh. C'est pas mal tout ce qu'on peut faire. Hop, allez, dégâts quand même. Vous savez, je suis très friand des dégâts. Ici, je veux que ça swing. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ok. Quoi ça va ressembler, putain? Hop, un space 12. Ah! Quelques petits trous, ok. C'est peut-être pour que la balle respire. Il est même beaucoup plus beau, tiens. Il est totalement chromé, incroyable. Comme quoi? Petit tour à l'atelier, c'est parti, hein. Allez, on est parti. On est parti. C'est par ici que ça se passe. Hop, cascade. Ok. Par ici maintenant.
Il y a des rats. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, c'est incroyable. Zone suivante, c'est ça déjà? Hop. Les anciens apprécieront d'avoir un camp aussi proche de la portée des martyrs. Merde. Cet endroit est plutôt sommaire. À descendre. Mais ça conviendra. Du coup, on devrait pas partir à la recherche des fugitifs, nous aussi? Émilie emmène un groupe en forêt à la tombée de la nuit. Elle les trouvera. Bien. Notre prophétesse sera seule juge de ces infidèles. Ouais. Elles serviront d'exemple aux autres. Ok. Voilà. Putain, mais quel enfer. Sors de là, ma grande. Bon, à gauche, en bas. Très bien. Elle va se perdre. Inspectons les ruines. Il faut trouver cette wolf. Bordel. Enfin, je dis quel enfer, hein. Après c'est réaliste, hein, mais... Bon. Allez, arrête de siffler, ferme-la un peu ta gueule. Oui, bah... Très bien. Une personne là-haut et une personne à droite. Ici! Non. Oh, non. T'as rien entendu, vous. Ah. Ok. Putain, c'est pas vrai. Le phare. Désolé, je suis très stressé en ce moment. Je suis désolé de pas parler, mais là, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Attends, là, c'est la rue. C'est pas vrai!
C'est un délire! Hop, oh la vache! Merde! Une patate, frérot! Non, c'est FZ incroyable! En plus, il y avait un gars balèze. Ok, viens par là, bébé. Allez, ça dégage. Bon, ça devrait être bon, je pense. Hein. Ça devrait être bon. Hein. Eh ben. What a action, hein, quand même, hein, tout ce qu'on a vécu là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça s'arrêtera. Putain. Ah ouais, mais tu m'étonnes qu'il y ait autant de munitions. C'est quoi ce délire là, messieurs dames? Quelle aventure, les amis, qu'est-ce qu'on vit là? Ok, bah écoutez, je vais tout fouiller. Oh oui, ça c'est bon. Ça, c'est très, 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 très bon. Il faut que j'améliore de toute façon les dégâts de chaque arme. J'améliorerai le magnum. Ouf, ça, je prends mon frère. Parce que ça, attention, ça va décoller des chicots. Bon, eh bien, écoutez, on peut mourir très rapidement. Ok. Et ici, on peut être un peu plus safe. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à demain pour la suite de notre aventure avec l'épisode. Eh ben, l'épisode 30, mine de rien. Allez, bisous tout le monde. Ciao, ciao.